Allô? Allô, Carcapole, vous êtes toujours au Bluefield? Oui, monsieur Fourreau. Les deux types sont toujours à l'estaminet tranquille. Ils ont des lunettes noires, dans leur poche. Ne les perdez pas de vue, c'est notre seule chance. Ils se lèvent, patron. Ils vont quitter la salle. Boutriquet va les suivre. Faites attention, hein. Si vous les ratez, je vous fiche à la porte sans indemnité. Et je vous fais engager 2 ans ferme à la Comédie Française. Oh non, patron, pitié. Oh, pas de menace. Ah, voilà Boutriquet qui revient. Ne quittez pas. Vite. Allô, patron? Ici Boutriquet. Les deux types viennent de monter dans l'autobus. Mais bougre-dame, pourquoi vous n'êtes pas monté avec eux? Mais il n'y avait plus que des places debout et j'ai horreur de ça, à cause d'un corps au pied qui me fait souffrir. Mais je me fous de votre corps au pied, fallait monter, c'est votre boulot. Ah, patron, permettez, mon corps est à moi. Pff, quel autobus? Le 28, direction Porte d'Orléans, voiture 2807. Très bien. Et prenez des bains de pied au chlorate de potasse. Oh là là. Allô, passez-moi la râpe. La râpe. La RATP, les autobus, quoi! Allô, la RAP? Ici Fouvreau, de la DDT. J'ai une arrestation à effectuer. Donnez l'ordre de détourner la voiture 2807 de son parcours. Mais oui, je sais qu'elle va à la porte d'Orléans. Eh bien, prévenez le conducteur qui se rend directement à la porte Dauphine. Je m'en fous, c'est en ordre! C'est quelqu'un, je vais voir. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui avez crié? Oui, c'est à cause du brouillard. Et alors? Bah, on y voit tal, alors je me suis mouché avec le nez de monsieur. Ah, il a pas fait exprès, il a cru que c'était le sien. Mais forcément, ça m'a surpris. Oui, alors ça va, allez, en route. Ouais? Bah, une seconde, messieurs, dames, le machiniste me fait signe qu'il a quelque chose à me dire. Pardon. Excusez-moi, pardon. On n'arrivera jamais. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que t'as? Mais t'es tout pâle. Bah dis le cri tout à l'heure, le type qui s'est trompé de nez dans le brouillard. Oui, alors? Et du bidon, un prétexte pour me faire stopper. Je suis descendu, quelqu'un m'a fait signe et... Eh bah dis vite, quoi! Les voyageurs s'impatientent, allez! C'était le sous-directeur de la RATP. Oui. Il m'a donné un ordre formel, faut détourner la voiture. Quoi? À l'école militaire, je bifurque et je vais à la porte d'Auphine. Non, mais écoute-moi, mon vieux, c'est pas... Elle discute pas, ordre supérieur. Deux suspects à l'intérieur. Ils ont des lunettes noires. Des lunettes noires, c'est que j'ai pas remarqué, moi. Forcément, ils les planquent dans leur poche. Alors compris, je change de route, mais toi, tu continues à annoncer les arrêts de l'itinéraire habituel. Et les gens vont s'en apercevoir. Que penses-tu avec cette brume? Oh, tu parles d'une aventure, alors c'est... Là, la porte d'Auphine. Oh, et puis tant pis, allez, discipline. Service. Faut pas chercher à comprendre. Allez, allons-y. Porte d'Orléans! Terminus! Tout le monde descend! C'est pas la porte d'Orléans! Vous occupez pas, descendez! Mais où est le boulevard Brune? Je l'ai pour sur moi, allez hop, à terre! Mais c'est pas la porte d'Orléans, monsieur Claquemus! Et toi, Grognache, laisse-moi faire! Et nous sommes d'honnêtes voyageurs, nous voulons des excuses! Monsieur va vous les donner! Fouvreau de la DDT, suivez-moi! Mais y a pas de mai! Alors, juin? Y a pas de juin! Carcapoil, les menottes! Oh! Un sale. Très bien. Alors vite. Je regretterai, monsieur. Mais vous l'emporterez pas au paradis, hein? En attendant, on va vous emporter dans la gare de la Porte Dauphine. Mais c'est l'autobus que je veux, pas le train. Laissez-moi partir, j'ai une communion. Tais-toi, grognache. Monsieur Fouvreau, vous n'avez pas le droit. C'est un abus de pouvoir. À quoi sert d'avoir un pouvoir si ça n'est pas pour en abuser? C'est une erreur judiciaire. Une erreur judicieuse. D'accord, à votre guise, vous êtes libre. Vous ne l'êtes plus. Mais qu'est-ce que vous nous reprochez? Rien, messieurs. Absolument rien. Ce n'est qu'un abus de pouvoir et une erreur judiciaire, voyons. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Comme vous m'avez dit au téléphone tout à l'heure, devinez. Alors, messieurs, voulez-vous qu'on bavarde un peu? Mon Dieu, monsieur Fouvreau, je ne suis pas contre la conversation dans les limites de l'urbanité. Vous êtes contre l'interurbain? Si vous voulez. Ça ne vous a pas empêché de me téléphoner, hein? Moi, je vous ai... Pourquoi nier? Je reconnais parfaitement votre voix. Comment vous appelez-vous? Claquemuf. Claquemuf? Avec un K? Deux, monsieur Fouvreau. Un au début et un autre. Ça va. Et toi, là? Grougnache. C'est un parent à vous, Claquemuf? Un cousin, monsieur Fouvreau. Germain? Non. Éloigné? Non, puisqu'il est là. Oui, c'est juste. Par alliance, alors? Non, par contumace. Bon, on complétera tout ça à l'identité judiciaire. Inspecteur Carcapoil? Monsieur Fouvreau? Je vous les confie. Dans une heure, je les ferai amener dans les locaux de la DDT. En attendant qu'on les garde soigneusement à vue. La guerre est cernée? Comme mes yeux, monsieur le directeur. Alors je pars tranquille.
Oh, eh ben, on est fait comme des rats. Comme des rats, Grognache. Tiens, tu me donnes une idée. Ah, faudra me la rendre, monsieur Clegg, j'en ai pas tellement. Les rats, Grognache, ça se faufile, non? Ben, oui. Il y a peut-être un moyen qui a déjà servi, bien sûr, mais qui peut nous... On va voir. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, on aurait besoin de... Ah, oui, vous voyez. Oui, bon. Bon, Liquet. Oui. Brossard-Bourg. Oui, chef. Accompagnez-les aux commodités. Bon. Grognache, ne perdons pas de temps. Actionne la chasse d'eau. Mais... Obéis. Tire. En ordre de marche? Parfait. Mais comment, monsieur Clatmuf? Vous voulez nous faire évader par... Pourquoi pas, imbécile? Il vaut mieux s'émouiller que se compromettre. Mais vous croyez qu'on passera? Tout passe dans la vie. Allez, vas-y, planche les premiers, je te suivrai. Prends ton souffle. Hop! Voilà, Edin. Remplis-toi vite, réservoir, ô mon sauveur. Bien le bonsoir, monsieur Fouvreau. Navré de vous fausser compagnie. Et... Hop! Tu trouves pas qu'ils sont bien longs? Ça va faire 3/4 d'heure. N'importe comment, il y a toujours marqué occupé. Oui, mais occupé à quoi? Pas de réponse. Hé! Oh! C'est-tu que vous jouez les mannequins de piste, là, hein? Rien. Allez, on épaule la porte. Oh! Nom d'un chien! Bon sang! Disparu! Vite, le chef! Calcapoil! Oh, calcapoil! Calcapoil! Est disparu! Disparu! Jésus-Marie-Joseph! Non, pas ceux-là! Claquemuf et Grognache! Mais... Monsieur Fouvreau! Monsieur Fouvreau! Quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Ils sont partis. Enfuis! Évadé. Et oui, ils avaient demandé à... Alors on les a conduits au... Et ils sont restés dans le... Alors on a ouvert la porte du... Mais ils avaient quitté les... Mais bon sang, vous êtes des crétins. Mais c'est un accident, patron. Un accident de chasse. Il faut les rattraper, allez. Vous, surveillez cette issue. Oui. Bon, compris. Je reste sur les lieux. C'est le cas de le dire, imbécile. Monsieur Fouvreau. Qu'y a-t-il? Regardez ce qu'ils ont perdu dans les toilettes. Donne, vite. Un portefeuille? Un portefeuille vert orange. Voyons ce qu'il y a. Oh, je m'en doutais. Des cartes postales. Eh oui, et quelles cartes postales? L'obélisque, le lion de Belfort, les grilles Stanislas à Nancy, l'arc de triomphe d'Orange, le pont d'Avignon. Ah, mais pourtant, patron, le pont d'Avignon n'a pas disparu, que je sache. Tiens, mais c'est vrai, ça. Oh, dites, il y a quelque chose d'écrit dans le coin, là. V92115. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.